Bonjour tout le monde, bienvenue, ici Jake pour Iva Sound Studio. On reprend Pokémon Diamant Étincelant. La ligue a été faite, on est sur du contenu endgame, du contenu qu'il y a après la ligue, après le générique. Voilà, il restait quelques petites choses à faire, du coup c'est probablement le dernier stream Pokémon Diamant Étincelant. En tout cas, j'espère, parce qu'il faudrait quand même avancer et passer à autre chose. Il faudra faire le contenu endgame aussi de Pokémon Légende Arceus. Parce que là aussi, l'histoire principale a été faite, le générique a été atteint. On est même un peu au-delà de l'histoire principale. Et on pourra enfin commencer une nouvelle aventure en suivant. Et pour ça, bien entendu, il faudra suivre les différents réseaux sociaux d'Iva Sound Studio. Abonnez-vous, tant qu'à faire, ça sera fait. Bon, j'en étais où, moi, dans Pokémon Diamant Étincelant? Comment on joue, déjà? Mon équipe, comment va-t-elle? Elle va bien, c'est très bien. Là, nous sommes à Bon Augure, on est chez nous. On va dire bonjour à maman. Ensuite, j'avais fait un post-it, que je le retrouve. J'ai trop de post-it, là. J'ai 3 post-it sur Arceus et 1 sur Diamant. C'est lequel? Attendez, c'est celui-là. Alors, Pokémon Diamant Étincelant... ah oui, il faudra remonter la route Victoire. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait une grotte qui m'intriguait. Il va falloir choper les créa trucs qui me manquent. Je crois qu'il m'en manque 2, les Pokémon légendaires des grottes. Idéalement, avec Regard Noir, ça c'est une astuce qu'on m'a donnée. Je vais essayer de la retenir. Devant la Ligue Statue. Pourquoi j'ai marqué devant la Ligue Statue? Ça veut dire quoi, ça? Devant la Ligue Statue. J'ai noté ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ensuite, on ira voir les aires de combat, c'est la grande île en haut à droite. Il faudra aller jeter un œil au parc Rosa, c'est là où il y a pas mal de légendaires. On a rendez-vous dans la piscine de l'hôtel pour battre un PNJ et voir quelqu'un d'autre. Et il va falloir aussi voir les programmeurs de Game Freak qui sont normalement à féliciter. Ah, j'ai d'autres choses derrière le post-it. Ça n'a rien à voir, c'est pour Robert. D'accord. Bonjour le chat, j'allais dire bonsoir. Bonjour le chat, bonjour Wedgios, comment il va Wedgios? Comment il va? Je suis un peu à la bourre en fait. Très peu, mais je suis un peu à la bourre. Bon, ben on descend. On va voir la maman. Tiens, ben, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Moi le loup, Robert, ah bah oui, ben, il y a Robert dans le chat, mais si, il y a Robert le rival, j'avais complètement oublié. Robert est passé, qu'est-ce qu'il veut? Il doit monter à bord d'un bateau à Frimapic. Mais il était tellement pressé qu'il est parti avant que je puisse se demander pourquoi. Sinon, la mission que t'a confiée le professeur Sorby avance bien. Ouais, tranquille. Le Pokédex, hein, clairement, je vais pas aller attraper tous les Pokémon. Ça non, peut-être en off, mais sinon je ne le ferai pas. La première chose, on... Si, point Pokédex, vite fait, très vite fait. C'est quel créa qui me manque? Mais en plus, je les ai quasiment tous du Pokédex, je suis bête. Mais... Du Pokédex régional, je les ai tous. Enregistré, là, il n'y a pas de point d'interrogation nulle part. Je sais pas si c'est la manette qui lag. J'ai l'impression qu'elle a un peu de mal, la manette. Ouais, la manette déconne un peu. Oui, il y a tout le monde dans le Pokédex, là. Ah, voilà, il me manque Créfolé et Créfadé. Parce que j'ai déjà attrapé Créelf. Sachant qu'il y en a un qui joue à cache-cache. Mais je sais plus lequel des deux... Et dans quel lac? Je ne m'en souviens pas. Dialga est attrapé, oui, parce que je suis proqué sur Pokémon Diamant. Palkia n'est pas attrapé, mais ça c'est pas grave, il a enregistré dans le Pokédex quand même. Je mets le micro un peu plus en face. Wedgios va bien. Ah, tant mieux. Faire évaluer le Pokédex. Tu as vu 150 Pokémon de Sinnoh. D'accord. Le chat, je l'ai mal mis. Le chat, il est en mode Arceus. Pardon, attendez. Voilà, c'est mieux. Blablabla, il faut voir le labo. D'accord, donc on va rendre visite au professeur. Au professeur qui est... il est où le prof? Je m'en souviens plus. Où est le prof? Professeur, il est à... Ouais, il est à Littorella. Let's go, direction Littorella.
Bonjour. Oui, j'y vais. Salut, prof. Ah, Jake, viens me montrer l'avancement de ton Pokédex. Bah oui. Alors, comme ça, tu as vu 151 Pokémon, bravo. Tu as enregistré tous les Pokémon de Sinnoh dans ton Pokédex. Cela va considérablement m'aider dans mes recherches sur l'évolution des Pokémon. Ah bah tiens, c'est Shen. Bonjour Sorbier, ça fait longtemps. Laissez-moi vous dire que le voyage de Kanto à Sinnoh est plutôt long. Mais lorsqu'il s'agit de rencontrer de nouveaux Pokémon, rien ne m'arrête, pas même la distance. Oh, c'est mon ancien collègue, c'est Professeur Shen. J'aurais dû m'attendre à votre venue. Vous êtes l'autorité en matière de Pokémon après tout. On disait toujours, quand il y a des Pokémon dans le coin, Shen n'est jamais loin. C'est bon de voir que rien n'a changé. Professeur Shen, laissez-moi vous présenter ce jeune homme. Il a rempli toutes les pages du Pokédex de Sinnoh pour moi. Ravi de te rencontrer. Comme tu viens de l'entendre, mon nom est Shen. Le professeur Sorbier m'a beaucoup parlé de toi. Il n'a pas arrêté de me chanter les louanges d'un jeune dresseur d'exception. Je vois que tu le mérites grandement. Et ça tombe bien que tu sois ici. J'étais de passage dans la région, alors j'en ai profité pour rendre visite au professeur Sorbier et lui apporter les données du Pokédex national. Puisque tu l'as, je vais ajouter le mode national à ton Pokédex. Tu verras, il te reste encore plein de Pokémon à découvrir à travers le monde. Allez, génial. Compléter le Pokédex national est loin d'être facile, mais je compte sur toi pour faire de ton mieux. N'ayez crainte, Jake, qui va y arriver. Au fait, professeur Shen, comment se fait-il que vous soyez de passage dans notre région? Eh bien, j'ai entendu dire que le parc Rosa Rugosa avait ouvert. Si je me souviens bien, il se trouve au bout de la route 221. Le parc Rosa Rugosa possède un système spécial qui attire les Pokémon de diverses régions. Je suis venu m'assurer que ce système fonctionne correctement. Je devrais aller visiter le parc Rosa Rugosa. Mais ça veut dire qu'il n'y a que au parc qu'on va devoir compléter le Pokédex national ou on va en... Non, c'est non, la logique. Bon, bref. Je vais être en retard à ma réunion si je pars pas tout de suite. Okay. C'était un vrai plaisir de vous voir tous les deux. À une prochaine fois. Il est toujours aussi occupé à ce que je vois. Bien, je souhaite t'offrir un petit quelque chose pour te remercier d'avoir complété le Pokédex de Sinnoh. J'ai le Poké Radar. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il te servira à repérer les Pokémon cachés dans les hautes herbes. Ah, d'accord. Je l'avais créé pour vous aider à compléter le Pokédex de Sinnoh, mais ça tu l'as déjà fait. J'espère donc qu'il t'aidera à compléter le Pokédex national. Mais quel est donc ce Pokédex national? Ça c'est le Pokédex régional de Sinnoh. Et Pokédex national. Ah ouais, donc là on est vraiment sur le... Oh là là. Il y a Mew et Mewtwo. Donc. Combien il y a de Pokémon au total? J'ai l'impression de faire un tirage au sort là. 490? Et j'en ai 153. Ah bah punaise. C'est pas demain la veille qu'il sera complété. Bon, en gros il manque tout ce d'avant. Tout ça d'avant Sinnoh. Et ben, ça fait du travail. Hein. Bon, en premier lieu, rien du tout. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire les grands souterrains aussi. Je les ai pas fait encore. Tiens, ça faisait longtemps, celui Pierrick. Dès que j'ai entendu dire que tu avais vaincu le Conseil 4 et que tu étais entré au Panthéon, j'ai voulu aller à ta rencontre pour te féliciter. Bravo, les autres champions et moi, on est très heureux pour toi. Mais il faut que tu comprennes qu'on ne peut quand même pas rester les bras croisés. On a eu beaucoup de mal à accepter notre défaite face à toi en tant que champion. On a notre fierté après tout. C'est pour ça qu'on s'est juré de te battre la prochaine fois qu'on t'affrontera. Alors si ça t'intéresse, sache qu'on t'attend de pied ferme dans une de nos arènes respectives. Viens me voir à l'arène du Cherbourg si tu relèves le défi. Si je me souviens bien, ça doit être la même chose dans tous les épisodes Pokémon de la série principale. Mais une fois que la ligue est faite, en effet, on peut refaire toutes les arènes et la ligue. Mais on peut le refaire encore deux fois pour, avec des niveaux encore plus élevés. Et la ligue, la troisième fois, elle est quasiment impossible, à moins d'avoir les Pokémon niveau max. Elle est super, super. Et non, je le referai pas, clairement pas. Je l'ai fait une fois, j'ai pas envie de le refaire une deuxième fois.
J'ai pas fait les grands souterrains, on y ira après. Là, il faut que je veux jeter un œil dans les lacs. Mais je me souviens plus dans quel lac j'ai attrapé quel Pokémon. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je vise une ville précise. Allez, on y va. Pour leur troisième rencontre avec Cynthia. Ah, la punaise. C'est pas ici, c'était pas celui-là. Ça commence bien. Alors, le lac, le mieux, le plus proche, c'est de passer par Voilà Rock. Donc, je change peut-être mon roster aussi au passage. Il a pas le regard. Faut que je change les capacités du Kadabra. Comment je fais déjà? Je recherche un peu. C'est regard noir. Hein. Ah punaise, la sensibilité. Alors, regard noir. On va voir s'il y a quelques. Par punaise. Ah. Je ne l'ai pas, mais le centre commercial est ici. Donc on va voir si je peux pas acheter ce dont j'ai besoin. Où les CT, c'est pas ici, les CT, c'est plus. Ouais. J'ai même pas fait gaffe si j'avais beaucoup de Pokéball. 11, 32, 16, il y a plein de choses ici. Ah oui, je lui avais. Ça remonte un peu loin, mais. J'avais dit que j'avais pas les codes à l'époque pour récupérer les bonus de la précommande. Et ça y est, entre temps, je les ai reçus et j'ai contacté le revendeur. Ils m'ont envoyé un petit message avec un petit mot d'excuse en me donnant les codes. Donc j'ai pu récupérer 2 speedball, 2 niveau ball, 2 zappa ball, 2 mass ball, 2 love ball, 2 copain ball, 2 lune ball. C'est plutôt pas mal. Je vais pas les utiliser. Alors, est-ce que c'est chez vous qu'on achète les choses? Non, c'est pas ici. C'est ici. C'est pas ici. C'est ici. Non, c'est pas là. Ça va être là. Ah, voilà. Balayette. Petite histoire de mytho. Chasse repos, abri. Là non plus. Donc là on est sur les trucs pétés. C'est pas là non plus. Il y a des choses ici. Non, ça vous fiche. Ça, je m'en fiche. Bon. Il y a encore un étage. Et là, il n'y a plus de motif. Ouais. Il va falloir que j'aille voir le maître des capacités. Mais je me souviens.
souviens plus où il est le maître des capacités. Où est le maître des capacités? Je cherche, hein, je cherche. Punaise, je crois que ça va pas être noté. Mince. Et bien, je ne sais plus. Mais du coup, va falloir y aller un peu en mode YOLO. Sachant que je vais pas avoir beaucoup de chance pour capturer les deux elfes qui me manquent. Parce que... si je les rerate, il faudra que je... si je les mets KO du moins, il faudra que je rebatte la ligue pour qu'ils reviennent tranquillement là où ils étaient. Et d'ailleurs, je sais pas ce bouton là, pour afficher, c'est quel bouton déjà? Quel bouton? Ah voilà. Il y en a un qui joue à cache-cache. Et là, je vais l'avoir un peu par hasard. Elle est où l'entrée du lac? Là, ici. Je sais même pas si c'est ce lac là où il faut que j'aille. Je vais me taper un Pokémon dans le lac. Et non, ça passe. Ah! Bonjour. Donc il y a quelqu'un en face de moi. Bien. Point équipe. Non, je dis point équipe. Résumé. Punaise, j'ai rien. Je devrais y aller en mode YOLO. Hein. Je devrais y aller en mode YOLO. Je vais déplacer Storno. Je vais mettre en premier. Pourquoi il a pas voulu? On va voir. Salut. Il est niveau 50. Il a évité l'attaque. C'est quoi ça? Bon, pas grave. Au revoir, Castorno. Ça, c'est un bon. Pas le mettre KO.
prends là. Hyper Bolt. C'est pas efficace, mais ça lui a enlevé la moitié de la vie. Hein. Ça va mettre tout le monde KO. L'hyperbole, elle bouge même pas d'une fois, quoi. C'est affreux. Deux fois, elle a bougé deux fois. C'est un mieux. Je dois passer toutes les hyperboles, je l'ai pas fait. Oh là là. Oh putain! Ah oui, d'accord! Il m'a mis une claque, hein! Il m'a mis une grosse claque là! Allez, petite elfe! Reste dans l'hyperbole, s'il te plaît! Il suffisait de lui demander, hein! Allez, Créfadé! On l'appelle l'être de la volonté, il dort au fond d'un lac et maintient l'équilibre du monde. Vous voulez faire... Non, non, je le mets pas dans l'équipe, non, non, il va dans les boîtes. Ok. Carte... J'ai besoin d'aller dans un centre Pokémon. On va à Vestigion parce que apparemment l'aile du bois cachage n'est pas très loin. Mais avant ça, faut se heal. Bien. Alors, d'après la minimap, l'autre Pokémon est hyper loin. Mais vraiment hyper loin. Je vais me bouger, je vais pas rester ici. Je vais peut-être aller à Félicité. Quoi? Attendez, je réfléchis. On va aller de la Félicité, ouais. Ah, il est pas loin. Le Pokémon recherché n'est pas loin. Bah tiens, justement. Il est quelque part par là. Il est là-haut. Ouais, il est quelque part là-haut.
Alors c'est pas toi que je recherchais. Ça c'est un clic. Et du coup l'autre il va se barrer. Non c'est pas le combat non. Il s'est barré. Nice, il s'est barré. Eh bien on retourne à Félicité. Ah bon, d'accord. Un étourmi sauvage apparaît. Je m'en fiche de l'étourmi sauvage pour le moment. Enfin, pour le moment, je n'ai plus besoin. J'en ai plus besoin du tout. Il est où? Il est au-dessus de la ville, mais il va se barrer quand je vais rentrer dans la ville. Il est en dessous de la ville. Il va quand même se barrer. Et oui, là il est méga loin. Je remonte, il revient. Je redescends, il est plus là. Punaise. Ah, il est quelque part. Allez, montre-toi. Et non, hein, c'est pas lui, c'est toujours le petit étourmi là. Barré. Ah, il est toujours dans les parages. Il est toujours dans les parages. Ah, c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est Créfolé. Je sais qu'il va se barrer. Je le sais. C'est... Il a réagi comme ça. Donc, soit je lui tente une hyperbole, soit je suis obligé de lui faire une attaque. Mais si je lui fais une attaque, il se barre. Donc, j'y vais à l'hyperbole directement. C'est une très mauvaise stratégie. Mais au culot, on sait jamais, sur un malentendu. Voilà, on va y aller, c'est pas grave. Au revoir. J'aurais dû lui faire l'attaque de Castor, c'est un petit combat. Et là, il est méga loin. Je rentre dans la ville. Il est à l'autre bout de la map. Ouais, bon, il est à l'autre bout de la map. Faut attendre. Bon, où était maintenant le combat des développeurs de Game Freak? Je sais plus où est-ce que c'était. Ah, bonjour madame, qu'est-ce que... La station même n'est pas encore ouverte. Toujours pas? Toujours pas? Mais je suis sur du contenu endgame là. Non, c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'était où les devs de Game Freak d'ailleurs dans le jeu là? Je les ai déjà croisés. Je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus, je vais chercher sur l'internet. Ce sera plus simple. Morimoto, exactement, c'est ça. Où est-ce qu'ils sont? Ah non, mais c'est le... C'est à la rive, la courage qu'il est, c'est pas du tout là. J'ai rien dit. Je suis pas du tout dans la bonne ville, en fait. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Hop là. Là. Alors. J'aurais pu longtemps chercher dans... Dans Félicité. On est quoi de bâtiment?
cherche toujours le maître des capacités. Okay. Attendez, je vais parler un peu à tout le monde dans l'hôtel. Parce que je sais plus à qui exactement je dois parler. Non, c'est pas là. Ah d'accord. C'est la gratuité. Très bien. Alors toi, qu'est-ce que tu veux me dire? D'accord. Ensuite, petite maisonnette. Non. Voilà. Ça me fait un peu penser à la Grèce, ce visage. E3, je leur ai déjà parlé. Ça, je m'en souviens. Ah bah tiens. Là il y a une flotte, ouais. Et là il y a une maison. D'abord la maison. Ah ils sont là. Ils sont là. Bon, parlons au monsieur de la piscine dans ce cas. Je suis devenu maître, alors c'est extraordinaire. Je m'appelle Morimoto. Ah bah tiens. J'étais impatient de rencontrer quelqu'un de ta trempe. Tu penses que tu serais taillé à m'affronter? On va essayer. Morimoto de Game Freak. Un spirit tombe. C'est pas vraiment quel ça. Spirit tombe, il va faire beaucoup. Il va faire très très mal. Bien du test. J'ai pas fait grand chose hein. Ah il est brûlé. Ah bah il guérit de sa blessure. Ah bah comme ça moi c'est fait hein. Alors équipe, qui est-ce que je vais mettre? Ah y'a personne qui est... Je vais aller avec le trait. On va voir si ça passe. J'ai un peu mieux. Mais non, il y a une baie, sérieux. Ça va me faire mal. Voilà. Ok. Je vais baisser sa défense. Lui là, il va me refaire mal. Allez, mets le chaos s'il te plaît, mets le chaos. Yes. Léviator qui prend un niveau au passage. Un Hippodocus. Pokémon Sol. On va changer, on va y mettre Léviator. Mais il est tanky en face. Hein.
rocks, ça, je fasse attention. Oh, punaise, guérison. Non. Ah non, terrestre. Mais il brûle quand même. Description. Son mur, c'est moins de la moitié. Hein. C'est ça. Donc on va y aller plutôt à... Bah, il est brûlé, je vais pas le glacer, donc on va y aller à l'hydro. Oh non! Ça joue strat. Il envoie un aquali. Là, je... Ça sert à rien. Idéalement, faudrait que je mette un plat. Luxé, mais Luxé, là, il est en mauvaise posture. Il y a Quali, je l'ai pas encore croisé en plus. Peut-être. Mélocri. Un bruit magique. Oh punaise, des dégâts. Ah oui, carrément. D'accord. Un petit bourdon. Oh punaise, il a la priorité. Je peux pas y aller aussi bien Braz, il va se faire démonter. On va y aller au Kadabra peut-être. Ouais. Ou alors faut que je remette un rappel max. Oh punaise. C'est un combat qui va être long, hein. Ou rapide s'il me met des. S'il me démonte. Moi j'ai du mal à le démonter. Castorno, let's go. Alors, sac. On se crée. Faut que tu fasses un. Une potion max. Oui, je rappelle, mais il est pas KO encore. Oh, merci, Castorno. Merci, merci. Équipe, c'est parti. Il va rechanger de Pokémon. Ah non, Hydrocan. Sérieusement? Critique? Mon kikin, hein? Le laser glace. Mais non. Et lui, il me fait plus de dégâts, sérieux. Est-ce que j'ai un rappel max? J'ai pas de... J'ai un rappel tout. C'est un rappel. Le 1 PV du Viviator. Alors, qu'est-ce que je fais? Potion max. Non. Il manque 120 PV. Une hyper potion, voilà.
bien Léviator, c'est bien. Remis Luxray. Allez, laisse-moi attaquer en premier. Mais non. Ah si. Bon, ça va, c'est une vive attaque, ça va. Ça. Allez, on va faire la petite attaque électrique. Ah, il est pas KO. Il résiste. Et il se heal. Et pas qu'un peu d'ailleurs. Hydrocanon. Pas critique. Potion max. Luxray. Il retire Aqualis. Sérieux. Il remet l'hypodocus. Il va être encore pire que Cynthia, ce dresseur. Il va être encore pire que Cynthia. Bon. Et l'autre qui se heal. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je ressors le Léviator? Mais le Léviator, il a un PV. À la ténèbre, s'il me met un piétisol, c'est fini par contre. Il re-retire Hippo, mais il joue à quoi en face? Il me met Voltali, sérieux. Bon, au moins Voltali prend des dégâts, ça, c'est une bonne chose. Pas l'ombre, ça va me faire mal. Voilà. Allez, Voltali, c'est fait. Ça fait 2 sur 6. Bon, par contre, moi j'ai plus vraiment de envie. Hein. Il y a 2 sur 6. Il remet l'hypotocus. On va laisser ça. De dégâts. Et un peu de dégâts. C'est pas du pied du sol, ça va. Mais bon, on prend des dégâts. Et lui qui se heal. Elles sont heal, c'est la brûlure, et tout ça. C'est l'huile de la brûlure. C'est pas grand. Non, pas séisme. Là, il me reste que Simiabras et Castor. Super attaquer un premier. Il a évité l'attaque. Allez, allez. Non, ne te heal pas. Bon, j'ai pas le choix. Il va falloir que je fasse du rappel. On est vraiment pas le choix. Rappel sur Léviator. Ah mais il retire l'hypodocus. Un pyroli. Génial. Bien fait de mettre un rappel sur Léviator. Quoi? Quoi? Il reste un PV à Léviator. J'ai pas réfléchi du tout.
Pourquoi j'ai pas réfléchi? Il peut pas le mettre que j'ai perdu un tour. J'ai vraiment perdu un tour. Ils auraient pu mettre un message d'erreur, quelque chose, et non, ça fait perdre un tour. Faut être attentif dans ce jeu. Faut vraiment être attentif. Il va attaquer. Ah oui, c'est gratuit. Hein. Il est pas KO. Ouais. Surpuissance. Ça va. C'est pas si surpuissant. À mon tour. Hydro-feu. Il a évité l'attaque. Du feu, ça va me faire mal. Ouais. Pas très efficace, mais ça me fait mal quand même. Allez, n'évite pas l'attaque, Pyroli, n'évite pas l'attaque. Il retire Pyroli. Il remet le Aquali. Génial. Je le heal au passage. Tac. Rappel. Sur l'Uxtré. Acide armure. C'est quoi ça? Ça augmente la défense. Ensuite. Potion 93, une hyper potion peut-être, 193, ouais, une hyper potion sur l'Eviator. Ça va pas être un entier, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai bien fait. Oh, je suis gelé. Il y a l'Eviator qui a freeze. Ensuite, une hyper potion sur l'Uxtré. C'est pas grave. Ensuite, on change. On envoie l'Uxtré au combat. Il va retirer la coelle de... Petite attaque au cul. Yes. Ne retire pas ton aquatique. Ah, il est paralysé un peu. C'est bon. Évite une attaque. Parfait. Allez, on y croit. Non ! Juste, il remet l'Hippodocus qui est brûlé. Et qui est immunisé aux attaques électriques. Tant qu'il est brûlé, lui. Hein. Je crois que par contre, il fait plus, un poil plus de qu'il n'est brûlé. Petit coup de mâchouille, ça passe. Peut-être. Résiste, tu sais, les résiste. Prouve que tu existes. Allez, remâchouille. Il va enlever l'Hippodocus. Non, c'est bon. Allez, l'Hippodocus, c'est fait. Ça, on est à combien de 3? Il en reste 3. Ça. Il met le Pyroli. Est-ce qu'on change de Pokémon? Oui. Mais l'Eviator est en très mauvaise posture. Il va falloir lui mettre une petite guérison. L'Eviator en mode gros freeze.
Ah! C'est vrai qu'il y a ça aussi. Alors, sac, est-ce que j'ai une guérison quelque part? Tous les PV, parfait. Je vais aller via ça. Léviateur à rebond. La petite vive attaque, ça sert à rien. Tant mieux. Non, je veux pas annoncer. Tac. Il faut que. Oh la claque! Désolé, Pyro. Plus de tempête de sable, ça c'est une bonne chose. Un aquali. Change de Pokémon. Au Luxcré. Il est en mauvaise posture. Il va prendre des dégâts. Sinon c'est pas. C'est égal. Hein, qui peut faire des dégâts. Ah non. Je croyais qu'il reste des pierres contre. L'aquali qui est paralysé. Ah si, si, je prends des dégâts. Allez, Aquali, c'est fait. Il en reste un. Il reste un Pokémon. Je crois. Attendez. C'est Podoku. Terry tombe. Voltali, Aquali, Pyroli. Je crois qu'il en reste un. Un Capidextre. Non, ça va. Bien. Pas trop à quoi m'attendre avec le capitaine. Ça va. Et en plus il est paralysé. On recommence. J'ai gagné. C'était difficile, mais j'ai gagné. Ça va. C'est moins long que Cynthia. Waouh. Cette chance de... ça va, oui. Un charme ovale, qu'est-ce donc? Je sais que c'est important, mais je m'en souviens pas pourquoi. Alors, le Pokémon qui joue à Cachache, il la pète à Ushnok, on s'en fiche. C'est quoi le charme ovale déjà? Je sais que c'est important, mais... Un mystérieux charme rond qui permet de trouver plus facilement des œufs à la garde... Ah! Ah, ouais, non, ça m'intéresse pas tant que ça. Ça m'intéresse pas tant que ça. Allez, on va sur l'île. Oui, c'était là-haut. Et c'était la maisonnette. Ici. Si je lui reparle, ça fait quoi? Ah, je veux qu'on s'affronte à nous. Et là, il y a du combat, par contre. Un lecteur DS? Mais c'est pas une vieille console, la DS. C'est trop cool. Franchement, c'est génial. Là, on est sur la musique rétro, là. C'est rigolo. Bon, alors. C'est parti pour un nouveau combat. Ah non, il me donne directement des choses. Je croyais que c'était directement le combat. Okay. Un charme stabilité, d'accord. Plus de chances de faire une capture critique. D'accord.
veux pas qu'on combatte. Ah ouais. Et enfin, toi c'est du combat, toi. Oh! Ce document certifie que vous avez rencontré tous les Pokémon de la région de Sinnoh. Félicitations pour cet exploit hors du commun, Game Freak. Ah, trop bien! C'est génial. Comment as-tu rencontré les Pokémon qui t'ont permis de remplir ton Pokédex? Tu as travaillé dur pour les capturer et les élever, tes amis t'en ont offert certains, j'imagine. À moins que tu aies fait des échanges avec des joueurs à l'autre bout du monde. Tout le monde a le même Pokédex, mais chacun d'entre eux possède sa propre histoire. D'accord, bon, c'était pas plus de combat que ça. Okay. J'ai trouvé toutes les flammes, les arbis du contrefort couronné, next, la côte nazie. GG! Oui, tu vois ce qui est sur Pokémon Legends Arceus. Mais ça, je le finirai moi en stream, parce que je fais tout Arceus en stream. Mais il reste du boulot. Hein. Bon, alors, post-it. L'hôtel, la piscine, c'est fait. Ensuite, ça, c'est fait. Il me manque un des créas qui est fait. L'ère de combat, on venira plus tard. Programmeur Game Freak, c'est fait. On va jeter un œil. Je peux pas aller chercher le créa qui se fait jouer à cache-cache, il est loin. Le parc Rosa, on ira plus tard. Il faut que j'aille voir deux choses pas loin de la ligue. Donc c'est parti. Alors, devant la ligue, hein, j'ai dit. Ah non, mais je me retape la tour Ruby. Non. Ça, je veux pas ça. C'est pas le bon TP. C'est pas le bon TP. C'est le TP d'au-dessus que je veux. Ouais, Robert, il est en mode farm. Alors, il y a des choses à regarder ici. Pourquoi est-ce que j'ai noté statut devant la ligue? Pourquoi est-ce que j'ai noté ça? On va remonter un petit peu en arrière. YOLO! Ah, il y a d'autres statues là. Voilà. Pourquoi j'ai noté ça? Il y avait un truc spécifique. Il n'y a rien de caché. Ah, et la grotte sur la droite est ouverte. Et ça, c'est ce que je vais faire, de toute façon, on va y aller tout de suite. Je passe. Match Chopper. Je n'ai pas envie de combattre des Pokémon sauvages. Allez, Match Chopper. Match Chopper, il me suit. Il veut faire un bras de fer, je crois. Onyx. J'avais oublié la grotte bloquée, j'ai hâte d'y voir s'il y a un mouchou. Je sais pas, j'en sais rien du tout ce qu'il y a en fait, c'est pour ça. C'est pour ça que j'y vais. Je ne sais pas du tout. Et il y a une autre grotte où il faudra aller aussi.
pas des items. Tant qu'à faire, hein, je cherche des items. Non, j'ai dit je cherche des items. Ah bah, un Nosferatu, tiens. En plein jour. Mais je veux pas mettre de repousse en plus parce que on sait jamais si je tombe sur quelque chose d'intéressant. Ah! Ah la joie! Cette personne, Viviane. Oui, qu'est-ce qui se passe? Allez, je vais accompagner Viviane. Très bien. Mais avant ça, je remets la carte. Voilà. Il y a de l'eau sur ma droite, il y a un caillou ici, là il y a un double combat. On va d'abord aller voir dans l'eau s'il y a quelque chose d'intéressant. Vous ne pouvez pas utiliser... Ah bon, ben comme ça, moi c'est fait. Donc on va aller jeter un œil ici. Ça a l'air d'être une grande grotte en vrai. Pokémon. Wow, 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 wow. Bashiri. Oh, belle Arcane. Ah mais ça paralyse quand même, ça paralyse, ça paralyse, je sais plus parler. Paralyse. Au revoir Pachiri. Pas les combats, les buffs et les debuffs là. Ah, les 4 formules. Et... Meil au passage, très bien. Arcana Stradio, ouais. Charmillon. Très bien. On va dire à Luxray de venir se joindre au combat.
Mais Arcana, faut... Il a que des debuffs le Arcana. Quand même. Ah, j'ai eu mal. Oh là là. D'accord, il m'applaudit. Très bien. C'est... Merci Arcana. Oh, c'est... Oh, trop bien, ça fait les deux en même temps. Ça, je savais pas. Oh, le XP. Galopa. Et... Un l'euphorie. Pas fait que les deux. Pourquoi j'ai attaqué Arcana avec? Sérieux? Ah oui. Pardon Arcana. Pardon. Pas si bien. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ah ok, feu de l'enfer. D'accord, c'est le cheval, c'est le cheval de Satan quoi. Lucifer sort de ce cheval. Galopa. J'ai balancé de l'eau bénite pour le piquer. Démon. Petit laser glace sur le fruit. Non mais sérieux, faut arrêter ça. Prêt à m'aider, mais ça veut rien dire, ça fait rien du tout. Bénite avec la coupe. Bah, il fait ce qu'il peut, hein, Léviator. En fait, c'est pas un Arcanin, c'est un pom-pom Pokémon. Oh, l'XP, sérieux. C'est gratuit cette XP-là. C'était un peu long. Il n'a pas gagné, c'est juste que j'ai perdu. Ok, d'accord, ça revient au même, blabla. Bon, mais c'est quoi cette grotte? Il y a un caillou en face, on peut descendre. Ah. Pokémon sauvage, un Stylix et un Mustéflotte. Désolé les gars, mais là, je te rends pas compte de la puissance d'un Kuma. Je vois pas ce que c'est vraiment le Kuma qui attaque Pokémon. Je comprends pas l'intérêt. Mais bon, c'est pas ce stade du jeu. M'y intéresse. Bon, les sauvages, je m'en fous. Mais je peux pas mettre du repousse si... Il y a un légendaire qui se fait. Il y a un combat là. Ah, je peux en faire un double combat, parfait. Des Pokémon psy sûrement. Kadabra et Mustang. Mettre au toast mon castorno en premier. Euh...
trop fatal sur Monsieur Mime. Monsieur Mime, il a ses cheveux en général. Mieux vaut prévenir que guérir. Coup de main, ça te permet de faire un x2 de l'euphorie tantôt. J'aurais jamais eu un coup sans le coup de main. D'accord. Je ne savais pas. Bien, Castor, c'est bien. Trop fatal sur Kadabra. Il peut gratter sa Kadabra. Ah oui, il casse. Pauvre Arcana. Il fait presque de la peine. Bon. Je remets Luxray en premier. Luxray manque vraiment. Il irait plus vite si c'était en premier. Un gros gros. Ah bah de nouveau le coup de main, tiens. À droite. Attendez. Je réfléchis. Obligé de faire un truc. Si je la pousse, c'est soit je récupère la Pokéball, soit je vais en face. Ah. C'est l'une ou l'autre. De toute façon, c'est l'une ou l'autre. J'ai pas trop le choix. Quoi. Un élixir. Ou alors je fais demi-tour. Et ça reboot. Mais il y a tout ça qu'il va falloir repousser. Quoi. Peut-être utiliser un repousse en fait. Je sais même pas si j'en ai encore des repousses. Pas de repousse. Je devrais mettre la pièce rune sur le premier Pokémon qui va au combat. Plein de thunes et plein de choses. Mais c'est ce que, avant la ligue, c'était ce que j'avais fait. Hein. Mais là, la thune, je n'ai plus vraiment besoin en fait. Vraiment, j'en ai plus besoin.
Parce que question thune. Je suis à. Ah bah c'est 6, c'est là qu'on le voit. Je suis à 667 862. Et pour la ligue, j'avais dépensé 200 000. Donc... ça va. Franchement, la thune, ça va. C'est long. Et tous les vêtements achetés. Oui, mais je m'en fous. Je m'en fous des fringues. Je joue à un jeu Pokémon. Non, je veux pas. Non, reviens. Madame. Je suis là. Faut refaire les combats. Non, ça va. Alors là, faut pas que je me trompe. Madame, laisse-moi passer. M'avait bloqué. Par acheter des repousses. Alors attendez, que je me trompe pas. Voilà, comme ça. Tout ça pour un item qui va être une pierre nuit. Ah bon, d'accord, j'ai rien dit. Une pierre nuit, c'est. Ça peut être utile. Allez, le double combat. Je sais pas du tout quel est l'intérêt de cette grotte. Il y a une finalité. C'est pas gratuit, c'est pas juste comme ça. Sinon, ils auraient ouvert la grotte avant la ligue. Cette grotte était fermée. C'est fait pour faire, pour être après la ligue. Donc, c'est qu'il y a une raison. Mince, j'ai laissé Castorno en premier. Ok. Voilà, Arcanin, il peut plus attaquer. Ah, le petit fou là. Fallait laisser cliquer du coup, quoi ? Fallait laisser le cliquer au gros chien de feu. Ah. Ça, c'est pas cool. Ouais, oui, je sais qu'il est au sol, Marie.
J'aime pas l'avoir en face. La manette ne va pas être déjà. D'accord. Oula, ça c'est dangereux, je crois. Ça, ça fait pas mal. Ouais. Comment il tenait sa cuillère, on aurait dit Harry Potter ou un sorcier dans... Enfin, c'était assez drôle. Déjà la main, ouais. Ouais, ça va faire une semaine. Allez. Et il reste deux Pokémon encore à un stresseur en face. Nickel. Non, Arcanine, il fait dodo. Ah, là, c'est problématique. Mais non, c'est super efficace, j'ai rien dit, pardon. J'ai rien dit. Blabla. Okay. On change de suite l'emplacement de Luxray que je veux mettre en premier. Voilà. Je me sens mieux comme ça. Oui, je veux le déplacer. On va avoir du dragon et des oiseaux. Dragon et oiseau. Pokémon. Bon, Arcanine, tu vises l'oiseau. Pas le coup de vue, hein, j'ai retenu la... Ah non, il est... Non, ma fouille, je vais viser Karma, je... Arcanine, il fera le reste. Ah oui, d'accord. Okay. C'est fait. Voilà. Et là, de nouveau Arcanine, il ne peut plus attaquer. Thank you.
Ah, oh, punaise. Je pensais l'ouest, mais c'est pas le cas. Tant pis. La poudre, c'est x4. Un oiseau. S'il te plaît, te blesse pas. Punaise. Ah, il est plus confus, c'est bon. Produit à la place de ta mâchouille, le combat est fini. Oui, c'est vrai. Alors, gauche ou droite? Double combat à droite. Mais là, je peux rien faire. C'est un vrai labyrinthe. Pokémon sur la droite, on ne pourra pas se faire en bas. De nouveau des Pokémon probablement. Ah, que 3 Pokémon, 2 et 1. Girafarig et Corillon. Allez, c'est la session des buffs. Désolé, j'ai raté. Girafarig, c'est un Pokémon très bizarre dans son design quand même. Il met des choses dans son chapeau. Et ce Pokémon, c'est vraiment très chelou. Flamme ultime, désolé Arcana. Un Néoko. J'aime trop Néoko. Je veux un Néoko sur ma porte. Désolé. Thank you.
tellement adoré la quête Eoko sur Arceus. Ouais, chouette. Hein. Alors. Oh punaise. Il me faut des repousses, hein. J'aurais dû avoir des repousses. Un labyrinthe, c'est linéaire. Allez, recombat. Avec des Pokémon combat, justement. Ouh, 5. Pokémon sol et un Chasseau. De vrai, la flamme ultime c'est un PP. Il y a qu'une seule PP de la flamme. Enfin, en même temps, c'est dans le nom. Le pauvre. C'est un trampoline. Le chat est normal. Enfin, il est pas. Sa tête, il est peut-être pas si normal. Là, c'est un chat malif. Il doit avoir des problèmes. Non, je me suis trompé de bouton. Bon, ça va. Léviator 70. Au revoir. Arcanin, il est super mignon. Non, pas pied de sol. J'aime pas pied de sol. Ça, j'aime pas. Désolé Arcane.
14. Oui, la manette. Qu'est-ce qu'il a dit le mec au-dessus? Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas jouer avec les Pokémon à mon âge. Petit point culture. La moyenne d'âge des joueurs et des joueuses qui jouent à Pokémon, c'est 38 ans. C'est pas des blagues. La moyenne d'âge en France. Ah! Il y a une plaque en pierre par là, je souhaitais simplement voir le Pokémon qui s'en approche. Je te remercie d'avoir escorté. D'accord. Mais je vais quand même chercher la petite Pokéball là-haut. On est des jeunes joueurs. Ah oui, oui, mais oui. Tout à fait. C'est la sortie, ça. Ah, raté. Hop, hop, hop. Il y a un combat. C'est la sortie, d'accord. Mais si on allait faire ce combat en vrai, ça sera fait, hein. Il reste dans un coin de grotte. C'est impossible, hein. 5 Pokémon. Un Raichu et un Locfin. Raichu, il va faire bobo. On voit pas le Raichu à cause de mon Léviator. Tritosaure. Pas de tritosaure, j'aime pas les tritosaures. Tout sur le tritosaure. Oh là là, il a la tête. Laser glace très faible sur les Léviator et attaque. Ice bar. D'accord. Un peu flippant. Ah, il fait du crachin. C'est la pluie du nord, ça, le crachin. Dozor, il m'envoie un lavabo à la gueule. Allez, au revoir, Trito. Non! Petit
laser class. Oh, il va me... Non, ça va. En fait, il allait me renvoyer le luxe. C'est pas cette attaque-là. Deux Pokémon. Un Marès, génial. Je suis ravi. N'affecte pas l'Eviator, mais l'Eviator a quand même une animation comme quoi il prenait des dégâts. Ça, je trouve pas ça normal, c'est un petit bug. Un petit oubli de la part des deux. On ne sait jamais, il faudrait peut-être le soigner quand même. 150, ouais, 100 potions max, une hyper potion. Ouais, voilà, on va dire que c'est bon. Rapport à ce qu'a dit Viviane juste avant, la PNJ là, elle parlait d'avoir des plaques. Je pense qu'on est plus en... Évidemment, j'aurais une rencontre avec Berarceus, mais j'ai pas toutes les plaques. Il m'en manque quand même pas mal. J'ai remarqué ce petit détail dans le combat du... D'accord. Combat triple, pardon. Comment ça, des combats triples? Dans Diamant Perle, il y a que des combats... Yo, solo yo, pas triple. Ou alors j'en ai raté, hein. Triple dans XY, d'accord. Les effets XY. Je suis sur la route 224, c'est ça. Oh, d'accord. Voilà. Je vais peut-être mettre... peut-être mettre la carte. C'est un peu embêtant qu'on faille spammer comme ça. On devrait mettre une application en favori. Ça devrait être mieux. Voilà. Bon là il y a un combat. Start.
Un boostifleur. Ah ouais. C'est longue, mais j'espère qu'elle sera pas si longue que ça. Un étourvol. Au-dessus de la caméra là, il y a une tête qui dépasse d'un arbre aussi. Il risque d'y avoir beaucoup de combats. Pikachu. On va pas le faire. Passer par le combat justement entre les deux arbres. Ah oui, là, pardon. Oui, oui, j'ai rien dit. Deux Pokémon pour Samantha. Aller dans l'eau voir. En gros, l'eau c'est pour esquiver le combat.
deux Pokémon pour Olaf. On aurait dû penser à faire évoluer ton Alakazam il y a bien longtemps. Oui, oui. C'est pas grave. D'abord dans l'eau quand même, si jamais. J'ai pas fait 3 pas que ça y est, c'est l'attaque d'équipant. Génial. Bon, l'équipant il est désolé, mais. Là les combats sauvages, et non. Ça sert plus à grand chose. Sauf si je tombe par hasard sur des légendaires. L'équipant c'est non. Ah ben. Pour une Pokéball. Et c'est juste pour DB. Et là-haut, c'est juste pour DB en fait. Donc ça sert à rien que j'aille sur. C'est pas intéressant. C'est le principal. Il y a encore de l'eau en bas. Il y a un combat. Il y a beaucoup d'eau. Attendez. Où est-ce que le jeu veut m'emmener ? Une griffe rasoir, d'accord. C'est bon, ça passe. Donc toi, ça doit être un combat. Voilà. Daisu. C'est la première fois que je la vois sur Pokémon Diamant Vert, cette attaque. C'est assez drôle. Son animation est assez sympa. Alors là on a un monsieur aux insectes, ou un montagnard aux insectes. Et il faudra passer. Il y a deux chemins. Bon, on va voir. Bonjour monsieur. Ah, il fait une chasse au trésor, c'est un archéologue.
un ruinophile. Ah, ça fait pas grand chose. Ça ne fait pas grand chose. Oh punaise, non pas ça. Ça va, tu t'es pas blessé lui? Il paraît qu'il y a un curieux monument en pierre dans le coin. Il y a un combat ici là. Ah bah il m'a aggro. Très bien. Il y a le talent tête dure qui immunise contre les dégâts des reculs. D'accord. Un métallos. On n'avait pas croisé. Oh, il résiste. Soit je vais voir le draco dessus, soit je vais dans l'eau. J'ai plus envie d'aller dans l'eau en fait. Y'a rien ici. Une pokéball. Ah mais c'est le vrai chemin. Le dracologue c'est pour... pour récupérer la Pokéball. Ça passe, ça passe. Un Tritosaur. Non. Je veux pas du Tritosaur, j'aime pas ça. Je vais aller le battre n'importe quoi. Un nœud destin. Ah non, les deux chemins mènent au même endroit. Bon, allez, combat. Va. Un Tritosaur Shiny mort de rire. Il dit vas-y, moque-toi. Il a pas eu les petites étoiles. Il envoie un Typhon avec ses ailes en coton. Altaria, c'est quoi ça? Ah, c'est un petit pont, mais un plus grand.
personnage. Alors, petit sac, petite potion max, sur l'extrait. Voilà, par contre, ce sera tour de pépé à un moment donné. Attends, quoi? La ville des dracologues? C'est quoi la ville des dracologues? Draco City? Je demande, Draco City. Je demande. Alors ça passe, ça passe. Là il y a un gros caillou et rien d'autre. Donc là je suis au bout de la route, c'est ça. Je suis au bout de la route. La surface du rocher est lisse et polie comme un miroir, elle ne porte aucune inscription. C'est quoi l'intérêt alors? Quel est l'intérêt? Ou alors faut que j'ai toutes les plaques. Faut que j'ai toutes les plaques, c'est ça? Trier. Une, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai que cinq. J'ai que cinq plaques. Ça m'embête beaucoup. Beaucoup. Bon, ce côté-là, la map CP, c'était la grotte qui ouvrait vers une statue. Je pense Arceus, mais j'en suis pas sûr. Donc bon, peut-être j'ai bien fait de mettre une potion à lustrer, moi, disons. Et je suis toujours à la recherche de la statue devant la ligue Pokémon. Je sais pas où. Pour récupérer une plaque. C'est ce que j'avais noté sur mon post-it. Devant la ligue Pokémon, il y a une statue avec une plaque. Ou alors c'est à l'entrée de la ligue. Dans la ligue. Parce que là en dessous, il n'y a rien. Quoi. En dessous, c'est... Ouais, il n'y a rien en dessous là. Ouais, c'est ça, y a rien. Donc carte, on va dans la ligue Pokémon peut-être. Oh punaise. Sérieux ? J'ai déjà fait ça. Oui, la manette, c'est choquant. Ah, des repousses, parfait. Ah, mais oui, mais alors, je vais en acheter quelques-uns. Mais je vais pas forcément les utiliser de suite. C'était... Pardon. Alors, je veux en acheter, en fait. Voilà. Je vais les utiliser que si je dois passer par des grottes. Pourquoi j'ai marqué devant la ligue Pokémon une statue me donne une plaque ciel? Est-ce que j'ai noté? Pourquoi est-ce que j'ai pas ça? La plaque ciel, je l'ai pas, d'accord. On vérifie.
J'ai pas la plaque seule. Mais j'ai noté qu'elle est dans les parages. Donc où est-elle? Où est la fameuse plaque ciel? Elle est pas là. Je dois rechercher l'intégralité des plaques par contre. On n'est pas sorti de l'auberge. J'avais dit que ça devait être le dernier stream Pokémon Diamant et je suis en train de me donner un nouvel objectif et j'ai peur qu'il y ait un autre stream. Devant la ligue. Pas trouvé d'infos sur le gros caillou, mais la route sert à avoir des Pokémon qu'on n'a pas ailleurs et nœud destin. Un item ultime pour la reproduction. Pour moi, le gros caillou, c'est pour. Je dirais Arceus en fait. Une plaque, punaise, donnez-moi une plaque. Devant la ligue, c'est ce que j'ai noté. C'est ça! Bon, je ne sais pas. Ça m'intrigue beaucoup, beaucoup. Alors, sur le post-it, je note la grotte à droite, c'est fait, je le barre. Il me reste toujours le cache-cache avec Créfadé, je crois que c'est lui. L'aire de combat et le parc Rosa Rugosa. Mais le parc Rosa Rugosa machin. Je sais pas si ça reste hyper intéressant. Mais attendez, les plaques, c'est pas au parc qu'on les a justement? Il y a une petite route là. Il est là, hein, le parc Rugosa machin là. Ouais, il est là. Donc on va littorer là. Hop là. Et on va utiliser un méga repousse de la mortitude. Parce que sinon on va être embêté. Attendez, sous les repousses. Là-dedans les repousses. Ah voilà, repousse max. Nickel. Ah bah, il y avait une bolle là. Moi je l'ai fait pour ne jamais la prendre. Sérieusement. Je m'attendais pas à ça, je croyais l'avoir déjà. Alors, là il y a une Pokéball, un peu de petit pot de miel,
Non, repos. Taillez du combat. Trois Pokémon pour Valeria. Le fameux Seriflore. Il y a beaucoup trop de niveaux d'écart, les combats ils sont pas du tout intéressants. Peut-être les esquiver les autres formes. Pokémon, Cyril le top dresseur. Le parc, c'est ce bâtiment là. Qu'est-ce qui se passe? Encore? Je l'avais pas du tout vu lui. Un hippopotame. On dirait qu'il allait des lunettes. Collectionneur, donc il a que des Pokémon comme ça normalement, que des hippopotas. Ouais, c'est ça. Thank you.
n'y a pas des combats sauvages. Bon, alors là, c'est une maison. Punaise, le repousse. On va utiliser un repousse de suite, sinon ça sera pas drôle. Sinon ça m'embête. Voilà, là il y avait un truc à récupérer. Et là aussi. Là il y a une maison. Ah, il y a quelqu'un. Le numéro du jour est 74. Tu me montres un Pokémon de niveau 74, ça serait. Bon, voilà. Une ceinture noire. Très bien. En gros, tous les jours, il dit un numéro et il faut lui apporter un Pokémon de ce niveau-là. Ok. C'est pas le maître des capacités quand même. Bon, alors, ce fameux parc. Qu'est-ce donc? Ah, mais chaîne! Nous y voilà, c'est le parc Rosa Rugosa. On raconte que ce lieu est étrangement lié à d'autres régions comme Kanto ou Hoenn. Et il en irait de même pour ses souterrains. Si tu les explores, peut-être que tu trouveras des trésors et que tu feras bien des découvertes. Qui sait, celles-ci mèneront peut-être à de nouvelles rencontres. Je te conseille de regarder ces informations. Je suis ravi que tu viennes nous rendre visite. Moi t'offrir ce compteur Poké Radar pour ta Pokémon. Et ça sert à quoi? Il mémorise les performances du Poké Radar. Je pense rester quelque temps à Vestigion. Je vais profiter de ma visite à Sinnoh pour étudier les Pokémon. Donc il va à Vestigion, hein, le prof. J'ai fait un long voyage pour venir ici en pensant pouvoir rencontrer des Pokémon rares, mais cet endroit est étrange. Ah, elle perd la notion de temps et de distance. Bonjour. Vous pouvez changer des éclats étranges contre des tablettes. Tablettes? On est obligé de passer par les souterrains avant de faire le parc? Bon, là, c'est des Pokéballs, tout ça. Eric, les dresseurs et Pokémon niveau maximum. J'aimerais que tu me montres certains Pokémon si vous attrapez, d'accord. Un Pokémon qui ne fait rien à part manger et dormir. Un Fex. Les grottes du parc abritent d'étranges socles. Je me demande à quoi c'est. Ensuite, là-haut. Le parc Rosa Rugosa, un havre de paix. Là, ça prend des Pokémon et des fleurs. Plein de dresseurs. D'accord. Bah, visitons. Les roses qui poussent ici un grand nombre font de ce lieu touristique un incontournable. Il y a des combats ou pas? Non. Peut-être, j'en sais rien. Bon, il y a des grottes. Il y a des grottes. Il y a des grottes. Des grottes de partout. C'est hyper grand. Très très grand. Pour l'instant je me balade. Ah. Bon,
salle des océans. Il y a trois statues qui ne sont pas alignées comme on a l'habitude de le voir. Un socle étrange, on peut y placer une tablette. D'accord, donc en gros, faut farmer dans les souterrains pour acheter des tablettes, ça doit être ça. C'est un petit labyrinthe quand même. Là-haut, c'était la salle des océans, ça c'est quoi? La salle des continents. D'accord, moi donc c'est ça, faut acheter des tablettes. Et pour ça, il va falloir farmer les souterrains. Comment on fait déjà? Non, pas dans... non, 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 sort de là. Comment je fais pour aller dans les souterrains? Je sais plus. Je peux pas le faire ici. Je le fais à l'intérieur. La salle des guides. Ah, c'est pas pareil ça. Ça c'est les golems ça. Ça c'est les golems. Ouais. Il va donc falloir aller dans les souterrains. Bon, on va relire ce que dit la madame ici là. Des éclats étranges contre des tablettes. Donc j'ai besoin de 3 éclats étranges pour acheter des tablettes guides. Ou un éclat étrange L. D'accord. D'accord. Ah, je peux pas creuser là. Ok. Donc l'air de combat, malheureusement, voilà, je passe. Je la fais plus tard. Je vais y. Je pense que la semaine prochaine, il y aura un autre stream diamant. Pokémon diamant pour ce qui est lié à l'air de combat, donc la fameuse troisième île, la grande île là-bas. Là. Je vais me balader dans les souterrains. Alors, grand souterrain. Comment je fais pour voir la map? Plus grande. Je peux pas la voir plus grande. Ah, c'est là. Carte garante tout à l'heure. Alors, je suis
sur la partie en bas gauche des terrains. D'accord. Une énorme partie centrale avec une plus petite partie centrale. Et après, et ça a l'air d'être symétrique hein, par rapport à ce que... Bon, on va se balader. Pas forcément attraper les Pokémon des souterrains. À la base, je vous ai dit que l'XP dedans, mais je n'ai pas besoin. Waouh! Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a des Pokémon de. Oh, s'ils veulent tous m'attaquer. Oh, il y a un Chétiflore. Bon, à la base, c'est pas ça que je cherche. Mais elle était. D'accord. J'avais pas vu. Là, il y a quelque chose. Comment je fais pour poser? Oui, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? J'ai un marteau et une pioche. Je peux creuser avant que tout s'affaisse. Deux objets ont été détectés. Ah, et en haut, on voit... Qu'est-ce que j'ai eu? Une sphère bleue L. Et un coffret élégant. Une statue de Scorvol. D'accord. Et le 1 sur 40, si je me souviens bien, c'est tout ce qui est lié au top picker là. Et c'est pour avoir un pourcentage, au lieu d'avoir une chance sur 4000 d'avoir des chenilles, je crois que c'est une chance sur 2000. Là, je m'en fous. 3 objets. Un os. Oh punaise, je vais pas l'avoir. Je vais pas l'avoir. Ah, dommage. Bon, j'ai eu un os. Un os rare. Peut-être pour le musée. Deux objets. Non, sérieusement, ils sont où? Là, derrière, punaise, ici. Rappel. Oh, il est super. Un rappel. Une grotte marécage. De le Pokédex national, en fait, le plus simple c'est de fermer dans les terres. Trois objets. Ok, ça c'est fait. Ici.
vert, rouge S, bleu L et une pierre foudre. Ah ouais. Ici on a 4 objets. Sphère rouge L, balle fer et sphère rouge S. Trois objets ici. Une plaque point. Ah ouais. Une sphère rouge S et une pierre stase. Une plaque. D'accord. Trois objets ici. Un gros caillou, une pierre feu peut-être. Sphère verte S, c'est une pierre feu, ouais, justement. Ici, il y en a deux. La manette. Coffret élégant. Une statue d'un saut lourd.
créer, défaire, transfert. Petit rappel de comment fonctionne ce minage. Une fois qu'on est dans les souterrains, on appuie sur le bouton R. On attend de voir qu'il y a des choses comme ça qui clignotent ici. On appuie sur A quand ça veut, voilà. Après, ça nous donne une sorte de mini-jeu type téléphone mobile. Là, quand on appuie sur R, on choisit l'outil, soit le petit marteau, soit le gros maillet. Le gros maillet, il fait des gros trous, mais par contre, dans la barre d'effondrement, ça avance beaucoup. Voilà. Alors, quand je fais le petit marteau, là, le petit, ça avance un tout petit peu, pas beaucoup. Et là, j'ai plusieurs objets à récupérer. Ça peut être des plaques, ça peut être des items, ça peut être des pétons, ça peut être des sphères. Ou ça peut être des caisses pour avoir des statues. Je reviens, je change de manette. Me revoilà. Aïe. Et là, à l'occurrence, ce coffre, c'est pour une statue. Voilà. Et j'ai pas vu combien d'items. Au début, par contre. Ah. Ça c'est ça va me servir, je sais plus pourquoi ça. Une écaille cœur, c'est une monnaie et la caisse, ah quand même. Un coffret élégant avec un Pokémon poison, un Draskor. Très bien. Et là, j'essaye de farmer un petit peu, pas énormément, la monnaie pour acheter des tablettes pour ensuite aller dans vraiment faire des choses dans le parc Rosa Rugosa. Voilà. C'est quoi ce Pokémon blanc là? C'est quoi ce Pokémon blanc? C'est un Pokémon blanc bizarre. Ah bah une Pokéball, tiens. Plécroix. Une écaille cœur pourrait apprendre d'anciennes capacités. Oui, voilà. Et c'était un Ningal. D'accord. Ah, bonjour. Des grandes sphères. C'est pour avoir. Je donne des sphères pour avoir des grandes sphères. Il me donne des socles. Il m'apprend des CT. D'accord. Mais non, pas intéressant. Alors. 4 objets ici. Le quatrième. Punaise. J'ai 40 topiqueurs pour 44 minutes de génie possible. Ça, clairement, je vais pas le faire. J'ai pas la foi. Un éclat étrange S, une sphère verte S et une pierre foudre encore. Ah mais attendez, les petits points orange sur la carte. D'accord. J'ai pas besoin de spammer le radar. Deux objets. Ah bah tiens.
pas ce que c'est ça. Tesson bleu et une sphère verte S. Le tesson bleu il était un peu mangé quand même. Les continue de farm évidemment hein, mais j'enlève les points d'interrogation des cases. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon géométrique? Il est flippant. On va peut-être aller en bas. Donc là, ah, c'est là. Un Vibrana. D'accord. Les PNJ, ils apparaissent et ils disparaissent. Trois objets. Noctalie, trop bien. Thank you.
fossile gris. Ah. Une sphère bleue. Et ah, le coffret, voilà. Et un coffret élégant. C'est ça, c'est quoi? Garde voir. Quatre objets. Et de 4. Carino. Je crois qu'il y a des collectionneurs de statues qui veulent les 490 Pokémon. C'est possible, hein? Je sais pas si toutes les... éternuer. Pardon. Je ne sais pas si tous les Pokémon existent en statue. Mais il y en a pas mal. Sachant qu'on peut faire une sorte de... QG de pour nous-mêmes, mais je ne sais pas du tout comment on fait. Qu'on peut y mettre les statues. Et qu'elles apportent de l'influence sur des choses qu'on peut trouver apparemment. Je sais pas du tout où est-ce qu'on fait le QG par contre. Ça, je suis incapable de le dire. Deux objets. Roche 10. D'accord, je sais pas ce que c'est. Le petit trio Peter. Ici il y en a deux. Ah, punaise. C'est bon. Un rappel max, cool. Un motisma... Un motisma quoi, ça? Un motisma fou? Télé? Les bases secrètes ici ne servent qu'à poser des statues et rien d'autre. Les statues permettent de faire apparaître des types des statues en réel dans les salles d'à côté de la base secrète. Par exemple, tu poses ta statue Noctali, tu auras des ténèbres qui n'ont pas. Oui, voilà, ça a quand même une influence. Mais je sais pas comment on a la base secrète. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut se renseigner.
Super pâle, d'accord. Je crois que c'est la première super pâle. Comment ? Y, garde des grands super. Il me reste toute la partie gauche des points d'interrogation après. Et après on repart au parc Rosa, Rosa machin là. Pour voir un peu. Par les clones et les collectionner les cartes. Deux objets. Un coffret élégant. Un Ammonistar. Pokémon 1G. Objets. Même. Ouais. Zéro objet.
Sérieusement. C'est quoi ce truc? Une clé de voûte. Mais j'en ai déjà eu une en fait, ça m'a pas servi à grand chose. La clé de voûte, bah elle sert à boucher le trou. Wait. C'est pour un truc beaucoup plus dans quasiment tout début du jeu. Corps de spirit tombe. Ah, d'accord. Ah punaise. J'ai eu chaud là. Tu peux le voir dans ton Pokédex. Ok. Ah attends, non, c'est échanger le trésor. Ça c'est ce que moi j'ai, parce que lui il me donne un échange, d'accord. Ah ouais, c'est généreux hein. Bon, les plaques je vais les garder par contre. J'aurais bien aimé farmer les plaques, mais je sais pas comment les farmer exactement. Et c'est en plus on a des plaques en fait, juste dans les terrains rudes quoi. Je crois qu'il y a 18 plaques, on est vraiment pas beaucoup là, et la plaque ciel elle est censée être proche d'une statue à la Ligue Pokémon. Donc là je sais pas. Oh bah. Là ça a été rapide. Kerstase et une statue. De cacture. D'accord. Quatre objets. Une sphère et une sphère et une pierre dure. D'accord. La pierre dure qui ressemble à un badge hein, quand même.
là, j'ai fait tous les souterrains reliés en bas à gauche. Enfin, la carte est explorée. Mais on peut farmer à l'infini en fait. C'est limite cheaté quoi. Une pierre lune, c'est bon. Et le coffret. Un crocodile. Ok. Je vais sortir des souterrains. Pourquoi je peux pas sortir des souterrains? Ah c'est un nouveau follow, le 73, et pour le follow, installe-toi. Ici j'ai pour y passer un follow et là c'est du petit farming tranquille, contenu endgame de Pokémon Diamant étincelant. Bon les marchandes. Est-ce que je peux acheter ça? Non, parce qu'il m'en manque un. Mince. Et je peux pas acheter ça non plus. Ah, punaise. Ça, c'est pas cool. Moi qui voulais faire les gardiens, c'est raté. C'est raté, raté. Bon. Non, pas cadeau de serre, c'était la carte que je voulais. Où vais-je? Pour l'instant, le parc Rosa, je peux rien faire tant que j'ai pas de tablette. Qui dit tablette dit farmer dans les grands souterrains. Est-ce qu'on me demande dans les grands souterrains, j'ai beaucoup de sphères mais j'ai pas beaucoup d'éclat. On me demande. L'air de combat, j'ai dit je verrai ça plus tard. Il y a cette fameuse plaque ciel qui me perturbe. Et il y a le jeu de cache-cache avec Crefa D. Et en plus il est loin. Et il y a le professeur Chen qui m'a dit qu'il était à Vestigion. Ben, on va voir Vestigion, on va voir ce qu'il me dit. C'est où Vestigion? Ah ici. On va voir. Bon professeur Chen, t'es où? Mon équipe elle est en, dans quelle Ouais voilà, faudra je pense. Je vais un petit peu l'équipe quand même au passage. Et le professeur Chen est dans les parages, reste à savoir où. Du premier coup. Un améliorateur, qu'est-ce que c'est ? Il existe un Pokémon qui évolue lorsqu'on l'échange alors qu'il tient cet améliorateur. D'accord. Alors 54 Pokémon mais du national, pas de. Pas de Sino. J'aurais pu aller au musée.
va essayer de faire pop. FAD au pire. Eh, il pouvait pas bouger de la même route. Ah si, il bouge. Ça y est. Il bouge, mais pas là où je veux. Non, il n'y a pas. Là, je retrouve le maître des capacités pour Kadabra. Comme ça, au moins, le Pokémon ne s'échappera plus. Ah là, je me fais troller, là. Il est de l'autre côté. Ah! Il est quelque part par ici. Pokédex. Équipe. Castorno, tu le mets là en premier. C'est pas lui. C'est lui. Le retour. Rapid ball d'entrée avec de la chance. Rapid ball ? C'est la speed ball, on est d'accord. Ouais, c'est la speed ball. C'est barré. Speed et rapide, c'est pas pareil. Ah bon? Il a pas envie de revenir là, le... Là, il a pas envie du tout. Il me troll, quoi. Il me troll, mais il faut vraiment avoir de la chance en fait. Là, j'essaie de l'avoir sur une toute petite route. Quoi. Je pense qu'il y a encore moins de chances qu'il vienne ici. Non, là non plus. Là, c'est la galère. il tourne là où je veux pas, quoi. Ça peut durer très très longtemps.
C'est pas grave, c'est pas grave. Tant pis. Bon, je suis un peu déçu pour le parc Rosa. Faut vraiment farmer longtemps dans les souterrains pour avoir tout ce qu'on a besoin. Donc je ferais peut-être ça juste de mon côté, je pense, je sais pas. Et j'aurais quand même voulu trouver. Il y a l'histoire de la plaque ciel dans. J'ai quand même cherché sur internet, ça m'intrigue ça. On va voir. Plaque. Pokémon. Diamant étincelant. On va voir si je trouve quelque chose. Apparemment il y aurait 16 plaques et pas 18, donc je me trompe déjà sur ça. Attendez. Derrière la statue de Vestigion, je suis à Vestigion. C'est la ville de Vestigion, d'accord. Derrière la statue. Allez, et d'une. Ensuite, dans la tour perdue. Il y a la plaque ténèbre dans la tour perdue. Je sais même pas lesquelles j'ai en fait. Terre, la porte à la porte de Charbourg. Charbourg, c'est ici. À la porte. Mais c'est grand Charbourg. Il y a du monde en plus. C'est quoi la porte de Charbourg? Ça pour moi c'est pas une porte hein. Ah bah attendez, le musée, tant qu'à faire, je passe devant. Bonjour. Là, je vois pas. Bon, il y aurait une plaque dans les parages. Pas précis. La plaque point, je l'ai. La plaque flamme sur le mont abrupt. Génial. La plaque glace. Je crois que je l'ai. Ouais, la plaque là, je l'ai. La plaque insecte dans le vieux château. Le vieux château. Plaque fer, je l'ai. Plaque herbe. Plaque herbe sur la route 110. C'est où la route 110? 210. 210, 212, 208, 209, 210.
crois que 210 c'est au-dessus entre Bonville et Célestia. Donc là, il y aurait la plaque herbe. Plaque esprit dans une dans les ruines de Bonville. Je crois que je l'ai, ça, la plaque esprit. Ouais, je l'ai. Plaque ciel. Au pied de la cascade de la Ligue Pokémon. Ah! Au pied de la cascade de la Ligue Pokémon. Plaque O sur la route 219. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Une assiette fantôme, mais c'est pas une plaque. Ou alors, c'est une plaque fantôme plutôt. Au square paisible. Square paisible? Le square paisible, c'est Réunion Police. Alors, square paisible, c'est à l'autorité. Je crois que c'est ça le square paisible, non? Ah non, non, c'est pas ça le square paisible. C'est un lieu spécifique. C'est loin, loin, loin derrière. Voilà. C'est la plaque fantôme. D'accord, j'ai fait une brasse. Tu l'as la plaque. Je l'ai la plaque fantôme ? Je peux pas regarder mes sacs, punaise. Ah oui, je l'ai, pardon. Plaque pierre. Plaque pierre. Au mont couronné. Génial. Oh punaise. En escaladant une chute d'eau. Ah, je vois où c'est. Plaque toxique. Dans le grand marais de la zone 2. Du parc, ok. Plaque Volt dans le phare de Riem. Plaque Volt. Le phare de Rivamar. Ça, c'est facile. Ça. Ça, il n'y a plus de son. Test, test son. Ben si, ça fonctionne très bien. Hein. J'ai tout sur le retour là. C'est toi qui as dû mute ton PC, je pense. Hein. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne. Très bien, regarde. Voilà. Bon, alors, je suis au phare. Normalement, il y a une plaque qui traîne par là. Mais où? Alors, peut-être que je mette le radar. Ou alors, c'est eux qui me le donnent. Radar, c'est lequel? Ça venait de Twitch. Ah ben voilà. Ah punaise, j'ai raté. Pas le temps. Oh, je savais pas qu'il y avait des. Ça. Est-ce que c'est là-dedans?
Waouh, la ligue Pokémon, génial, magnifique. Bon, je suis dans le phare là quand même. Ouais. La plaque Volt. Est-ce que c'est sur les côtés peut-être ? D'accord, c'est pas tout à fait dedans là, le truc, hein, mais c'est pas grave. Bon, je remets ce que je cherche, moi. À la base. Non, je l'ai passé. Puis... C'est pas la 17. On va y arriver. Je vais utiliser à la main le détecteur. Hein, d'accord. C'est pas intéressant. Hein. On va y arriver. Ah voilà. Et là on touche. Bon, maintenant on va re à la ligue Pokémon. Au pied de la cascade. Là dans ce cas. Une pierre, une... Qu'est-ce que c'est dans les arbres peut-être. Où est-ce que c'est? Au pied de la cascade. Oh! Ouais, mais attendez, c'est vraiment, faut le savoir là. Là, quand même. Faut le savoir, ça, sérieusement. Bon, ensuite. Voilà, ça m'en fait combien des plaques? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, je suis à 8, donc je suis à la moitié des plaques. Je suis à la moitié. J'ai dit la Volt. Il existe une autre plaque, la Pixie, qui peut être trouvée qu'en explorant le grand souterrain. J'en ai déjà une dans le plaque ce grand souterrain. Toutes les plaques d'Arceus ont une chance de faire une apparition dans l'exploration dans les murs. Ah, d'accord. D'accord. On peut donc avoir plusieurs fois la même plaque. Ça, c'est... Bah oui, j'ai deux fois la plaque point d'ailleurs. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et... Bah alors pour chercher les autres... Donc Draco, je l'ai ou pas? Draco, c'est fait. Ténèbres. Dans la tour perdue, je vais m'amuser. Plaque terre. Il y a l'histoire de la porte de Charbourg. Bon alors, voilà. Plaque point. Elle est là. Plaque flamme sur le mont Abrupt. Plaque glace. Elle est là. Insecte dans le vieux château, mais là je vois même plus où est-ce que c'est. Plaque fer, je l'ai. Plaque herbe sur la route 210. Plaque esprit dans les ruines de Bonville, mais je l'ai là. Ici. Plaque ciel, je viens de la voir. Elle est ici. Plaque eau sur la route 219. Fantôme sur le square paisible. Plaque pierre, je ne l'ai pas. Il faut escalader une chute d'eau, une cascade au mont couronné, mais je vois à peu près où c'est ça. Plaque toxique dans le grand marais de la zone 2 du parc safari. Et la Volt, je viens de la voir, et la Pixie. Voilà. Donc ça, c'est vrai, je pense que j'irai chercher ça en off. Parce que c'est quand même un gros boulot, en vrai. Je pense que j'irai farmer ouais, les grands souterrains en off, les plaques en off. Et voilà.
J'aimerais bien ne pas farmer l'elfe en off, j'aimerais bien la voir en stream. Donc il y aura un autre stream Pokémon Diamant Étincelant, tant pis, ou tant mieux, je n'en sais rien, la semaine prochaine, pas avant. Pour attraper Crefa D, je crois que c'est le dernier qui me manque des trois. Faire cette fameuse île l'ère de combat, parce que là c'est un bon morceau, il y a quand même beaucoup à faire. Et j'espère peut-être avoir fait en off d'ici là les grands souterrains et la recherche des plaques. Et on ira retourner voir un peu là-haut, là, cette fameuse statue mystère. Et je vais devoir me retaper toute la grotte, hein, d'ailleurs, pour y aller. Je vais devoir me retaper toute la grotte. Hein. D'où les mages, je voulais voir le gros caillou avec les plaques. Mais oui, non, non, je vais fermer les plaques. Mais en stream, j'irai voir le gros caillou, par contre. Ça, j'irai le... Oui, oui, non, non, t'inquiète pas. Voilà. Voilà, voilà, pour aujourd'hui. On va se laisser avec la belle musique ici. Je peux garder quand même, ça fait un bon moment. C'est où pour se garder? Ah, c'est là. Je viens de me rendre compte que j'ai plus d'heures de jeu sur Legends Arceus que sur Diamant, quand même. Alors que j'ai commencé Diamant. Voilà, prochain stream sur Ivason Studio. Si je ne me trompe pas, je vous retrouve demain matin, justement, sur Pokémon Légende Arceus. Et c'est aussi du contenu endgame. Donc, du farm à faire. Il y a un combat qu'il va falloir faire aussi que j'ai pas réussi la dernière fois. Recherche des flammes, recherche des arbis. Voilà. C'est déjà pas mal. Ensuite, demain soir, je crois que... C'est... Attendez, je regarde le planning. Si, demain soir, mercredi soir, c'est ça. Il y aura du Borderlands en coop avec moi et Draken, en espérant que ça fonctionne bien. On a fait quelques tests déjà hier soir. Bon, il ne faudra pas vous attendre à avoir du gros gameplay, en vrai. Jeudi matin, je serai sur un jeu indépendant sur la console. Vous allez voir, c'est assez rigolo, c'est assez sympa. Normalement, en 3 heures, il sera fini. Jeudi après-midi, c'est Ando qui sera sur l'Abironia RPG. Il continue son aventure. Et vendredi matin, de nouveau, je vous retrouve pour Légende Pokémon Arceus avec des choses qui restera à faire. Et la suite de Pokémon Diamant, la semaine prochaine. Voilà. On verra le planning un peu plus tard. Sinon, on ne l'a pas encore fait. Prenez soin de vous, abonnez-vous si c'est pas fait, followez si c'est pas fait, rejoignez le Discord si c'est pas fait, il y a des jeux gratuits à récupérer tout le temps, toutes les semaines sur le Discord. Venez sur YouTube si vous voulez, et ça nous soutiendra au passage. YouTube, les gens de YouTube, venez sur Twitch aussi. Voilà, tout ça, cordialement bisous en effet. Merci Robert, c'est très gentil Robert. Merci pour le point d'exclamation. Passez un bon début d'après-midi, parce qu'il est 13h presque là, en stream. Et une bonne fin de semaine, et tout ça. Vous connaissez la chanson, en fait. Allez, à très vite. À demain, pour ma part. Cordialement. Bisous.